aujourd'hui, on est là au Maker Faire. On est avec Nicolas de l'école. Et Zizor. À Valence. Et voilà, donc Nicolas, dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, on est ici dans le cadre d'une collaboration avec ST Microelectronics, dans lequel on présente une petite manipulation réalisée par des étudiants. Très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette manip, ce projet ? Oui, cette manipulation, elle est très simple. En fait, c'est un tracker de GPS où on transmet les données en LoRa. Donc, on récupère les données d'un GPS que l'on traite avec un STM32 de chez ST. Et ensuite, on envoie ces données en utilisant le protocole LoRa vers des serveurs distants et on consulte la page web directement depuis Internet. Est-ce que tu voudrais dire deux mots sur le partenariat avec ST? Oui, je suis très heureux de faire le partenariat avec ST Microelectronics puisque ça me permet de pouvoir réaliser mes TP avec mes étudiants et de former les étudiants aux technologies d'aujourd'hui. Ah, voilà. Super! Ça aussi, je pense que pour ST, c'est une grande satisfaction aussi. Très bien. Merci! Donc là, on a un projet qui a été développé en partenariat avec l'STM. C'est un projet entre l'STM et l'école ESISA, Grenoble NIP. Et là, on a un traceur GPS sans fil. Et bon, à grosso modo, on a un traceur GPS ici qui est branché à une carte Nucleo, c'est une carte STM. Et ensuite, on envoie des trams avec les chutes LoRa qui est là, vers la gateway, vers la boîte bleue qui est ici. Ensuite, on récupère les données, on traite les données sur une application web et on affiche les données sur une page web. Comme la communication est bidirectionnelle, on peut envoyer des trams aussi. On reçoit des trams et on envoie des trams à partir de l'appli web qui est là. Une fois que les trams sont envoyés, ils passent par la gateway et ensuite ils arrivent à la carte Nucleo à partir du chute LoRa qui est branché juste ici au-dessus. Et voilà, et ce projet-là a été développé par l'ESISA en partenariat avec les cités. C'était une bonne relation entre l'école et la société là pour travailler sur des solutions des points sur les marchés.